Bonjour et bienvenue dans cette vidéo concernant la dernière mise à jour Atlas sur les fermes. Alors, les fermes vont se fabriquer dans le SmithSea. Vous avez deux possibilités, une ferme en pierre ou une ferme en bois. Et ce sont des structures qui vont vous permettre de récolter des ressources aux alentours. Donc, il va falloir commencer par positionner votre ferme. Donc, vous voyez que ça n'est pas possible si vous avez des structures qui ne sont pas alliées, donc des structures ennemies autour de votre zone. Donc il va falloir chercher un petit emplacement pour pouvoir positionner la ferme. Donc il faut se balader un petit peu. Une fois que vous avez trouvé l'emplacement, vous allez donc la positionner. Vous allez ensuite l'alimenter avec du bois et de la thatch. Donc c'est indiqué au départ, elle ne va pas tourner tant qu'elle n'a pas ses ressources. Donc il faut récolter ces deux éléments, les placer dans la ferme, puis activer la mise en culture, la récolte. Vous allez ensuite pouvoir avoir très rapidement les premières ressources qui vont apparaître dans votre ferme. Donc on va pouvoir voir que ça se récolte relativement rapidement. Vous allez avoir vraiment les récoltes qui sont tout autour de la structure et non pas sur la totalité de l'île. Donc il faudra peut-être en positionner à plusieurs emplacements. Et donc comme on peut le voir, ça va assez vite, hein. Au bout de quelques dizaines de secondes, vous avez déjà les premiers éléments qui vont apparaître. Donc là, en l'occurrence, moi j'ai des éléments de base. On a même du charbon, donc peut-être lié à une base qu'il y a dans les environs avec un feu de camp éventuellement. Et donc on peut voir qu'au bout de 20 à 20-30 secondes, on a déjà pas mal de récoltes. Voilà donc cette nouvelle structure est disponible dès maintenant. Elle va permettre d'aider à récolter des ressources et ça va être plutôt pas mal. Ciao, ciao!